Yo tout le monde, c'est Wazen, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de Ormadi et de la gameuse. Merci pour le vent. Bref, on va vous montrer de Wallbrecht aujourd'hui. Merci de m'avoir laissé en plan. On va vous montrer de Wallbrecht. Donc le premier Wallbrecht, je vais vous montrer où il se trouve. D'abord, je vais essayer de la faire tranquille. Alors, il se trouve ici, à cet appartement-ci. Voilà, ça se situe là sur la carte. Tu peux préciser, hein, tu sais. Alors, comme Ormadi le dit si bien, il vous faut un insurgent. Alors, Ormadi, appelle ton insurgent. Vas-y, bah, positionne-le. Ormadi va vous montrer comment positionner. Et je vais monter avec lui. Alors dans ce Wallbrecht on est vraiment pas serré, il est vraiment ouvert. Par contre le prochain Wallbrecht que je vais vous montrer il sera un petit peu moins bien. Vraiment très ouais, il est vraiment très très serré. Alors ensuite vous avez merci. Vous avez monté sur l'insurgent et sauté comme ça par ici. Voilà et vous tombez comme ça. Et là vous essayez de remonter votre personnage. Ah là ça a pas fonctionné gros. Ah putain, c'est pas passé. Attendez, je vais essayer avant. Voilà, vous essayez de tomber comme ça. En fait, vous êtes tombé couché derrière l'insurgent là. Et il va remonter dans le plafond si vous voulez. Là, en fait, il est trop grand. Là. Ouais, il y a trop grand écart. La gameuse, elle est derrière. T'es en train de tuer. Essaye. Il y a encore un trop grand écart, je pense. Attends. Ouais, non, on tombe derrière en fait. Attends, on va y aller à part un. Non, on retombe de l'autre côté de l'insurgence, ça va pas du tout là. Bon, on va reprendre dès qu'on a bien placé. Ormadi a réussi, la gameuse a réussi, et moi je n'ai pas réussi. Très bien. Donc en fait, si vous voulez, il faut monter sur l'insurgent et il faut sauter contre le mur, tomber sur le côté. Ouais, je suis tombé dans le trou. Ah, trop fort. Là. Et essayer de retomber au-dessus du toit. Je suis dans le garage, c'est normal. Ouais. Ah, je suis encore tombé dans le truc. Non, je suis encore tombé. Attendez, il y a des appartements tout en dessous. Comment t'es tombé? J'ai du mal, hein. Franchement, j'ai du mal. Faut tomber comme ceci, vous voyez. Et maintenant, voilà. Voilà, très bien. Ensuite, maintenant, on part ici. Et voilà. Par contre, faudra éviter d'aller dans les deux bâtiments noirs. Ouais. Donc, je vais vous montrer les espaces dans lesquels vous pouvez marcher. Vous pouvez marcher ici, ici, comme ça. Vous pouvez marcher ici. Vous pouvez marcher ici. Ensuite, ici, vous pouvez traverser aussi. Marcher sur le parking. Voilà, vous pouvez marcher sur le parking. Alors, ouais, vous pouvez tuer tout le monde à travers les murs. Vous voyez l'espace gris qu'il y a là, évitez de marcher dedans. Franchement, évitez de marcher dedans si vous voulez tomber. Après, que ça vous peut dire d'autre. Vas-y, c'est bon. On va montrer qu'on peut tirer. Regardez, je n'arrive pas à tuer le PNJ là. Par exemple, vous voyez, je prends le minigun, on va dire. Et je tire sur cette bannière. Ah, j'ai plus de munitions. Voilà. Vous voyez, je peux toucher la voiture. On peut les atteindre facilement. Donc si vous voulez faire des coups en traître à vos ennemis, franchement vous mettez là dedans et c'est un bon plan. C'est là où tout le monde passe, donc c'est parfait. Ouais, c'est là où il y a tous les appartements, enfin où il y a l'appartement le plus cher. Enfin c'est là où il y a le plus de choses. Il y a le Los Santos Custom, des magasins, il y a déjà cet appartement là. Il y a l'appartement à 1 million qui se trouve là. Du coup, vous pouvez vraiment trouver plein de personnes ici et c'est vraiment cool. Du coup, voilà. Petit Wallbrecht. On se retrouve pour le deuxième Wallbrecht qui va se trouver à la plage. On se reprend dès qu'on est. Alors, petit Ormadi,
Je vais te dire que je l'ai déjà fait sur le brèche, du coup je vais la remontrer. En fait, il vous suffit d'aller près de l'arbre là, de sauter plusieurs fois, enfin d'appuyer plusieurs fois au carré et de vous laisser tomber. Et en fait, vous allez être dans l'arbre et vous allez pouvoir tuer les personnes qui vous entourent, comme je l'ai fait dans ma vidéo avec Zigar. Zigar, pardon, voilà, je suis dans l'arbre. Vous mettez à vue première personne et là vous êtes à l'intérieur de l'arbre. Voilà. Là vous avez vu la gameuse se faire. Donc, si j'ai envie de tuer la gameuse, je la tue. Mais si je n'y arrive pas. Ah là t'arriveras je pense hein. Oh non t'arrives même pas. Allez, attendez. On va faire quand même une chose, je te jure ça va s'enflammer. Il a je vais te faire un truc. Tu regardes? Je regarde où? Non je parlais à mon cousin. Là tu vas cramer là. Bah on va voir si ça m'atteint. Je pense pas. Non, non, non. On va voir. Non non je ne crame pas. Putain, faut qu'elle fasse aspirateur quand je fais des vidéos tu vois. Bon voilà. Du coup voilà c'était c'était une petite vidéo pour vous montrer 2-3 wall breach. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et de vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Et si vous voulez plus de vidéos avec Armadi et la gameuse, veuillez me le dire dans les commentaires. Du coup je vais vous laisser. PlayStation.